Oula, on avait dit pas les mamans, hein? Je trouve pas ça correct, correct. Dirait qu'ils ont leur propre langue. Tu n'es pas un zurk. Tu es une es... Tu es d'une... Non! Ils ont fait une faute de frappe dans un jeu si bon. Ils ont fait une faute de frappe. J'ai mal dans... Oh, mon Gauthier. Tu es bienvenu dans notre village, tant que tu ne manges personne. Hein? J'espère qu'ils n'ont pas foiré les espaces insécables. C'est une coquille. Oui. J'ai mal dans ma coquille. Un robot. Une famille de robots. C'est quoi? Est-ce que ce sont de vrais... Moi, en termes de scénar, ce que j'imaginerais, je pense que c'est pas ça, hein, c'est que les humains, pour se protéger... Je fantasme un peu, attention. Hein. Les humains, pour se protéger des espèces organiques qu'on a vues plus tôt, qui font chplush-plush et qui s'étendent, se sont cachés dans des sarcophages genre souterrains et se sont laissés connecter à des robots comme on peut voir là pour continuer à vivre en étant protégés contre la prolifération organique du virus mortel qu'on voit dehors. Non. Ça, c'est balèze. Ça, comme image. Attention, on la refait. Dernière fois. Génial. Génial. Police! Ok. Montre l'objet. Ok, je peux enquêter en montrant l'objet. T'as pris pour un zurk. Oui, et donc? ...374 ans, mais... On est vraiment dans un futur... Chapolis. C'est lui qui s'énerve, non? Je crois que Momo a ce genre d'image. Momo. 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 Non, c'est lui qui s'énerve. Ouais, c'est là. Il s'en bat les steaks. Bonjour, on cherche Momo. Une photo de l'extérieur. Les extérioristes. Momo est là-bas, il peut nous indiquer des éléments sur... sur la présence de Momo. Ça va être la guerre entre les extérioristes et l'intérioriste. Ah, c'est pas impossible. Gardien nous dit d'aller voir Momo au sommet. Très bien. Donc... On cherche... Alors là, c'est dangereux. Pas loin. Ok.
Le jeu est beaucoup plus profond qu'on se l'imagine. Hein. C'est pas juste de... C'est pas juste de l'exploration. Attention. Non. Le marché, très bien. J'ai le marchand du marché. Azouz. Lumiour. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en échange. C'est un lot de câbles électriques. Les meilleurs du marché. Il va falloir aller échanger. J'échange contre la lessive Super Spirit. Ah non, moi j'ai que de l'Ultrax. J'ai que de l'Ultrax, je suis désolé. T'as 3 canettes de boissons énergétiques. Mime. Mais qu'est-ce que tu vas en faire, mec? Tu Reaper tout doux. Partant musical, une œuvre magistrale d'un artiste très célèbre. Hein. Le célèbre Joule qui s'est cloné il y a 600 ans de cela et qui est en ce moment dans une... Bon, vous l'avez ou pas? Paquet de lessive. Mon dieu, ça va. Elle coûte pareil. Si vous voyez un paquet de lessive, vous hurlez. Hein. Vous hurlez. Quel problème? Oh! C'est parce que vous faites. Oh! Laissé dans la rue en bain azur qui avait tout bouffé. C'est dingue, non? Ils peuvent manger n'importe quoi. T'arrives toujours des trucs bizarres, mec! Eh, hey, mec! Regardez, le seul à pouvoir ouvrir cette porte. Alors oui, mais il me faut quand même un paquet de lessive. Je suis le 4e chef de l'apocalypse. Tu vois? Voilà! Oh! Ok. C'est pas moi. Oh! Il y a un robot bourré à l'étage. Ça, des lumières, c'est agréable à observer, mais je veux voir le vrai ciel un jour. Je me demande s'il n'y a pas les humains là-bas. Je me demande. Hein. C'est pas moi! C'était déjà comme ça quand je suis arrivé. Ah. Toujours BFM dans le fichier. Ok. J'adore la musique d'ambiance. Aller en. Oh, attention, interaction. Des os pour le meuble. Ce chat est trop réaliste. Ce chat est inspiré de faits réels. Ok.
C'est Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre. Tu devrais mieux les cacher. Cacher ton coffre derrière le livre ne suffit pas. Ah ok, très bien. J'ai le tresset. Bon. Renifler avec cœur remué. Sauter. Demander s'il a faim. Dormir. Manque la fonction dormir. Oh. Ok. Bon, il faut quand même qu'on aille... le coffre derrière un livre. Moi, si. Oh, attends. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain? Volume 42. Yes. Attention. Deuxième partition. Oh. J'ai dit quoi tout à l'heure? Il manque la fonction dormir! Ça me rappelle le thème de cette série un peu border que j'ai malgré tout énormément aimé, un peu trop même. Ça s'appelle White Line. À mon avis, le coffre est dans le coin là. Lui gratter la tête. Non, hors de question. Oh! Sélectionner objet. Non! Carnet. C'est un carnet étrange, orné d'un symbole. Tu sais, celui-ci appartient à un certain Doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromène, une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les Urks en sortant. Pour ma tentative vite explosive, je vais peut-être devoir le tester dans les conditions réelles. Ah oh. J'ignore ce que ça veut dire, mais ce sera sans doute utile plus tard. On devrait aller voir ce moment dont le gardien nous a parlé. C'est lui, Momo? Momo? Momo! Chat perché. Heptor! T'es chétif, mais t'es pas comme les autres. Je suis censé le caresser, mais je vais m'abstenir parce que je comprends pas pourquoi. La surface est un sujet sensible. Momo, c'est un humain? Ah, il n'y a pas d'interaction sur l'ordi. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire que je suis passé à côté de plein d'interactions parce que j'avais une batterie dans la bouche. J'ai envie de me taper comme ça. J'ai envie de me taper. Je suis là depuis tout à l'heure, je comprends pas. Il y a aucune interaction, c'est très étrange quand même. Demande à un modo de faire ça plutôt. De toute façon, il y a des modos sur la chaîne.
Le plan se déroule comme prévu. On a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne. C'est la saison 2 de Walking Dead. Ils sont dans un lieu appelé Centre-Ville, qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. La compagnie répressive sanguinaire. Mais ouais, grave. Méfiez-vous. J'ai parlé à Momo tout à l'heure. Ses yeux, je reconnais son regard. Il viendra pas avec nous. Okay. On va aller voir ce Momo dont le gardien nous a parlé. Très bien. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va tester. Ah, il y a la distance là. Hein. À gauche, le ventilo. Bah là, il y a un ventilo. Si, bah voilà. Bah carrément, c'est normal. Ok, très bien. Yes! Allez, sieste. Five sieste. Pas joué au jeu. Je précise. Non, mais j'apprécie. C'est la seule chez moi qui a le cerveau qui crée un vieux suspense ultra intense entre le moment où il pousse et le moment où l'objet s'écrase au sol. Bonne nouvelle. Hein. Tu as un cerveau. Bonne nouvelle alors. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde là. Regarde. Quand est-ce qu'elle est allée sur Twitter la dernière fois? C'est le truc que je préfère. Le chaos. Le chaos. Le chaos. Ok. C'est rangé. C'est rangé. Voilà, ça fait plaisir. Oh, du génie! Du génie! Du génie! Ok, pas de boisson énergisante. Mais qui a foutu ce bordel? JPP. Je sais pas, je sais. Snake! Snake! A clipper ça. Oh, allez, vous voyez, il y a machine à laver et tout. Il y a une tour. Ah, j'aime bien. Oh! Oh! Un étrange orné de symboles. Ok. Je dirais que celui-ci appartient à un certain Zbatalzar. Une trace de vie organique a disparu à l'exception de ce qu'on appelle les urques. Les urques, c'est ce que je vous avais dit hein, pour le résumé, quand je vous ai dit qu'il y avait des rats organiques avec des sortes de bubons et tout dégueulasses. Vous savez qu'ils mangent tout ce qui bouge et qui se reproduisent à une vitesse inimaginable. Ah, ce sont donc... Comme si se retrouver enfermé dans cette cité n'était pas assez difficile. Oh! Il y a aussi une note sur ce livre. C'est écrit que j'ai trouvé un défaut de conception dans la radio. Je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça nous sera sans doute utile. On devrait aller voir Momo. Il y a plein de trucs dans tous les sens.
tous les sens. Moi, j'aurais tendance à dire que je peux escalader là, mais... Écoute, pourquoi pas. Là, ici, peut-être. Wow. Oh! Yes! Ok. Ouais, tout triste. Non. Hein. Extérioriste. Terre. La Terre est la troisième planète après le Soleil, la cinquième plus grande après du système solaire en termes de masse et de diamètre. À ce jour, c'est l'unique objet céleste connu pour aller vers elle. Si on croit à la rotation radiométrique, la Terre est vieille de 54 milliards d'années. Tu n'as qu'un seul satellite naturel. La Lune, qui est formée jusqu'à près, l'interaction gravitationnelle avec la Lune engendre le phénomène de marée, stabilise l'axe de rotation de la Terre en diminuant progressivement la vitesse. Stylé! Grave stylé. Ça ne marchera jamais! Pourquoi je l'ai laissé partir? Je suis tout seul maintenant. Salut. Qu'est-ce que tu veux? J'ai que des notes. Tant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ai regardé les détails, j'ai essayé de les contacter, mais cette foutue radio ne fonctionne pas. J'ai le schéma! Quelqu'un prend la mienne. Carnet de Momo. On voit l'air très triste, ses amis. Laisse-moi jeter un œil au carnet qu'il nous a donné. Le manifeste des extraterrestres. Protéger nos frères et nos sœurs, nous devons fuir les yeux. C'est signé Clémentine, Balthazar, Doc et Momo. Dire que le nom de Momo a été ajouté plus tard. On devrait lui montrer d'autres, les autres carnets qu'on a trouvés. Ouais, grave. Alors. Ça va, tiens, Doc, il était vraiment furieux d'électronique et de ces trucs-là, toujours sur le point de faire des énormes découvertes. Ah, ça m'inquiète, parce que s'il faut qu'on cherche à l'infini des éléments. On va laisser le chercher se pencher. La plupart du temps, je comprenais rien à ce qu'il racontait, mais il était plein de sagesse. Oh! La ville a la forme d'un cylindre, on va dire 400 mètres, 50 mètres. Il existe un niveau en dessus d'une autre. La ville semble dotée d'un plafond. Ok, si j'en crois les livres. Un grand ciel bleu est caché derrière. Aïe! La fameuse surface! Ok, très bien. Un tournevis. Ça pourrait faire un bon... Oh! Slasher. Non, j'ai les commandes qui sont inversées. Je peux pas avoir une boisson énergisante.
Et Back Home 2, je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Avec Ghost Fist, on y a joué pendant des heures. C'était amusant, il me manque. Pourquoi j'ai oublié son nom? Je sais pas. C'est totalement chez moi maintenant. Oh, partition. Partition. Il y a absolument ça, une histoire de réparation de radio. Oh, est-ce que c'est sa radio? Si, si, bah oui, c'est sa radio. Normalement, j'ai de quoi réparer, non? GG Momo. Moi, le seul vrai Momo que je connais, c'est celui de Avatar, le dernier maître de l'air. C'est le seul et unique Momo que je tolère. Le vrai. Viens avec moi. Écoutez, si vous avez un robot avec un visage arc-en-ciel, un chapeau chinois et une chemise hawaïenne, mais nue en dessous, qui vous propose de venir avec lui, méfiez-vous! Ok. Je installe l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec les villes. Mes amis pourraient encore être là. Là, il est tout nu. J'ai vraiment eu un poste de radio de 3 kilos là. Voire 5. Ok. Et c'est un mélange de mignonnerie et d'énigme. Nouveau chapitre. Les toits. Ouah ! On a retrouvé Leonardo DiCaprio. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que le jeu est ultra immersif. En effet. C'est hyper chouettos. Et c'est un point de vue genre giga original en fait. Ok. Il
Wow! Ça sent les orques. Non, non! Non, 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 non! Je joue à pas grand chose, hein. Sauvegarde. Ok. Apparemment, c'est bien passé à la Japan Expo. Oh, ok. Ah, je grimpe ici, ça a l'air. Ouais, les effets de la chaleur sur les gens qui vont à Japan Expo. Ah, vu. Tiens, hein. Ce n'a pas toujours été le cas, les néons. Bah les néons ça pousse pas naturellement, en même temps B12 non inclus. Les plafonds énergétiques stricts avaient été établis surtout dans les pays très bien, mais les gens ne supportaient plus dans les endroits dans le noir en permanence. Un jour quelqu'un allumait des lampes arc-en-ciel, les panneaux néons dans toute la maison. Cette personne a été arrêtée, on ne l'a jamais revu, mais non, on sentit une note d'espoir. Puis après ils se sont mis à placer des lampes partout pour leur maison, pour la répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens c'était une façon de revoir la couleur. Comme dans l'extérieur, je crois que c'était difficile. J'ai l'impression que je suis que dalle hein, en termes de progression. Ouais, c'est vrai, il y a un côté Midgar, hein, je suis d'accord. Le caddie là-haut, oh, ok. Hop! Oh, deux fois, très bien. Pas con. Et là, on a déjà vécu ça. Regardez. Non, encore. Bon, après un peu la découverte, je sais pas ce que vous en pensez. Mais après la découverte, là, de Stray, je lancerai bien des BD parce qu'il y a une très grosse mise à jour là qui refont tout le jeu. Ok. Toujours cette impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Regardez. Regardez, regardez. Le côté dégueu. Oula! Wow! C'est pas moi? Ok. Alors. On a la strat. Attention. Parti.
Ok, on va faire bouler tout le monde jusque là. Waouh! Commence à avoir du dégueulasse là. Vrai dégueulasse. Vrai dégueulasse. Le jeu n'a pas été vendu comme Resident Evil. Ben, le jeu a l'air d'être quand même un meilleur Resident Evil que la série Resident Evil sur Netflix. Petit hommage au scénario de Resident Evil. Deux minutes, je me suis demandé si c'était pas Walking Dead en mal fait. Tu sais que moi j'ai eu beaucoup de mal avec la première saison de Walking Dead. Hein. Je croyais que ça tirait en longue. Oh, what? Dis donc, c'est un moment que t'as passé aspirateur là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Du lore! Faut tout brûler, je suis d'accord. Merci à toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le côté SF est ouf, hein. Ce bruit de crêpes Suzette. Oh! J'ai l'impression que j'ai le bruit. J'ai l'impression que c'est genre. T'as laissé du riz trop longtemps en fait. Dans la casserole. Wapa! Ah, il faut purifier tout ça, je suis là. Ah, ok. Ok. Oh là là! Alors, je peux lâcher B12. Vas-y, fais ça. Non. Ok. Est-ce que... Vu que c'est par tes vidéos que je découvre la JDR, c'est pour cela que je découvre les JDR, les amis. Et ben, ça fait super plaisir. Oh, c'est dégueulasse. Que ça fasse super plaisir. Et j'ajouterai un truc tout à l'heure. Necocorpa. Ceux qui traitaient les déchets. Les déchets venus des étages supérieurs qui ont débordé en étodie. Non! Ils ont tenté de développer des bactéries pour tout dissoudre. Le lore! Le lore! Du lore! Après la disparition des humains, c'est la première fois, je crois, qu'il parle clairement de disparition d'humains. Bactérie a muté, elle a évolué et mangé bien davantage que les... Et maintenant, on a les Urks.
Le lore. Moi, je croyais que c'était juste un truc fantasque, mais genre, la bactérie a pris le dessus. Oh, on dirait des tardigrades. Regardez Star Trek Discovery. Non, les deux, ils vont lui casser les pieds là! Non, 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 mais lâchez-moi le... Minou C'est compliqué cette histoire, hein. Wow! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas d'adrénaline, même dans Fast and Furious, tu vois. Attends, si, j'ai. GG. C'est que c'est rose. Non, 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 mais... C'est bon ? Aïe, 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 aïe. Viens, suis-moi. C'est bon, viens, 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 non, 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 viens pas, voilà. Incroyable, ça. Allez, il faut que je pousse par là. Pour monter là. Yes. Ok, ok. Non! Marché! Non! Compte virus! Compte virus! Bon. Non, non, non. Raté virage. Voilà. Drift. Hein. Ouais, okay. Pas tous bons en drift, hein. Ok. Yeah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Regardez, regardez. Ça peut presque faire un fond d'écran. Regardez. Ça fait un fond d'écran, ça. Stork. Attention. C'est parti. Mon... Oh non, non, non! Il pleut! De la mort! Oh, fuck! Ah! T'es en couette. Ouais, t'as joué sur les doigts.
avait beaucoup de champagne tout le monde. Oh non, je rigole, je rigole. Tu sais, je crois que vous avez une patate sur la joue. Et qu'est-ce que vous faites, mais... Enfin, c'était pas ma joue, là, en l'occurrence. Salut, Nance. Tu arrives au moment du popcorn? Ah, on dirait pas le... Je crois dans Nemo, je crois, ou quoi, il y a un petit poisson avec des yeux comme ça. C'est dégueu. Oh, ça va, je me suis excusé. Hein. Ok. Très bien. Allez. Je suis fasciné par l'ambiance. Hein. Je trouve ça vraiment stylé. Ok. On va poser ça ici. Parce qu'on se balade, faut bien préciser. Hein. On se balade avec une radio de 4,5 kg. Et c'est pour contacter le reste de la team de Momo. Les extérioristes. Ah, oh, c'est beau, c'est la ville souterraine. Souterraine. C'est la ville souterraine. Incroyable. Incroyable. Ok. On va faire de la tyrolienne maintenant. Attention. Regarde cette vue, c'est très beau d'ici. Je suis d'accord. Je me reviens à la ville, elle devait servir d'abri. On dirait des étoiles, mais ce sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté totalement, aride, invivable et dangereux. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Oui, parce que dans l'introduction, celles et ceux qui n'étaient pas là, dans l'introduction, je joue avec mes autres camarades chats, et je glisse dans une décharge, et je tombe dans les profondeurs. Et c'est à partir de là où je découvre les robots en dessous. Je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, mais j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas, mais je suis certain que c'est ma raison d'exister. Je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir un moment. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Et d'abord, tyrolienne! Oui!